Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur Niche et notre petite lignée d'écureuils. C'est parti, on reprend Niche. Alors ça fait un petit moment là que j'ai pas joué parce qu'avec ma crève, j'ai pas pu faire autant de vidéos que d'habitude. Donc il faut qu'on retrouve un petit peu tout le monde. Voilà, ils sont un petit peu éparpillés partout. Ils sont 12, on a 54 de nourriture, 289 pour faire des nids. On est quand même plutôt pas mal. Et donc on avait lancé une lignée d'écureuils qui cognait pas mal, tout en essayant de récupérer d'autres stats comme la pêche et le cracking, parce qu'à un moment donné on va quitter cette île. Alors celle-là elle est bien, il y a tout. Il y a de l'arbre, du cocotier, de la flotte, du lapin, enfin il y a de tout, de tout, de tout. Mais si on déménage dans un côté moins sympa, donc celui-là ou celui-là, ce qui va donc finir par arriver, ça sera peut-être moins facile. Alors c'est parti. Ah oui, on avait récupéré cette femelle à queue de scorpion aussi, qui est d'ailleurs bientôt morte. Mais on n'arrivait pas à récupérer sa queue de scorpion. Elle donnait que des bébés moches et malades. C'est bien ça. Hein. Lui, il est pas malade, mais lui, il est malade. Il faudra s'en débarrasser. Ok, allons-y. Reprenons. Toi, tu vas rendre tout le monde malade. Ouais, mais tu n'as pas le droit de virer un bébé. Du coup, tu vas... Oh, tiens. Lapin. Lapin. Ah ouais, et on a... ah non, 4. J'allais dire, on en a de guerre, mais en fait, celui-là, non. Ça va encore. Petit, éloigne-toi. T'es bien mignon. Ah bah, impeccable. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on tente un dernier bébé avec elle pour récupérer des jeunes de poison avec notre mâle qui cogne? Du coup... c'est toi qui fais l'accouplement. Non, ça veut pas. Ah bon, on a réussi. On verra si cette fois c'est bon. Ouais. C'était quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit super ultra méga bizarre? Toi, ah oui, donc toi t'étais un petit malade moche. Tu vas continuer à nous ouvrir un peu le passage. Peut-être bien qu'on déménagerait par ici. En fait, avec une lignée qui tue, qui cogne comme ça. J'irai bien dans la jungle, qui est un biome que j'évite totalement parce que j'ai jamais de lignée qui cogne. Il faut une lignée qui cogne pour aller dans la jungle. Mais du coup, je me demande si ça c'est la jungle. Et ça, une map plus désertique, genre la savane qui est monstrueuse pour réussir à manger. Ou alors rien à voir. C'est du pur aléatoire. Je ne sais pas. Je veux bien vos expériences là-dessus. Ok. Ouais non mais là tu vas courir après le lapin qui va se parer, c'est tout ce que... Ah ça c'était pas à nous, ok. Ici, il va peut-être falloir refaire un petit bébé, en sachant que... Waouh, toi t'es bien toi, ah ouais elle était bien elle. 8 en dégâts et on a quand même 2 en cracking et 2 en pêche. Oh chichi bochi, pichouchoun ça. Alors, 4, 5, 5... Ah ouais vous étiez pareil à peu près vous hein. Il y en a un qui est juste plus vieux que l'autre. Refaites un bébé. Ah. Refaites un bébé. Refaites un bébé. Refaites un bébé. D'accord. Bah avec lui. Non, t'as plus fini. Non, elle veut plus. Elle veut plus faire bébé. D'accord, d'accord. Toi. Toi aussi, tu pourrais faire bébé. On pourrait continuer notre lignée d'écureuil vraiment à cet endroit-là. De toute façon, on a de quoi faire des tas de nids. Voilà. Eh ben mon vieux, ok, vous c'est fait, vous c'est fait, vous c'est fait. Je pense qu'on est bon, là-haut. Alors, ah, un petit pas malade. Ouais, un petit moche qui n'a pas récupéré les facultés de poison de sa mère. Ouais, pas très intéressant. Appel au cas où, toi. Non, il n'y a rien dans le coin. Récupère-nous à boostifier. Toi, maintenant, t'es trop loin pour aller te reproduire, donc bah, découvre le monde, toi aussi. Hop, on bousille les buissons sur le passage. Toi, c'est un peu la même, t'es là pour... explorer, vu que techniquement, tes frères sont ta copie conforme en dessous. Ok. Et la coin repro, donc elle, elle n'avait pas voulu. Toi, petite. Ok,
pas la plus extraordinaire au monde, mais ça passe. Bon, madame, voulez-vous refaire un pépé? Ah bah dis donc, c'était sacrément compliqué. Elle, il va falloir carrément méga la reproduire dès que possible. Et mine de rien, là, on a une belle lignée. On a vraiment, vraiment une belle lignée. Ça va être cool. On va pouvoir se la donner sur les terrains plus durs. Hein. On va pouvoir y aller au terrain plus dur. J'aime pas ce bruit. C'est bon? C'est bon, hein, la petite, elle est là, vous restez autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as rebouffé le bébé? T'as repris un bébé, c'est ça? Le bébé moche, il est plus là. Ouais, le bébé moche a disparu. Ok, et eh ben dis donc, ils ont faim, ces rapaces. Restez bien autour de la petite. Ah bah non, restez pas autour de la petite, elle est malade. En sachant que la plante va la garder qu'un tour, la soigner qu'un tour, pardon. Mais pourquoi j'ai pas vu qu'elle était malade? Oh non, ils sont tous malades d'un coup. Non! Ah, la loose. C'est fort dommage. Oh, il était bien ce petit. Il était bien... elle était bien cette petite. D'ailleurs, on fait plus que des femelles maintenant. Elle était bien, elle a 3 en cracking, 5 en dégâts. On va essayer de la garder dans le coin, quitte à la mettre par là. Et juste pour... on peut essayer de la faire reproduire un tour en lui faisant manger, la fleur. Par contre, toi, tu vas t'en aller. Non, mais il n'y a que des individus malades partout. Non, mais toi, reste par là. Techniquement. Je t'avais éloigné pour le buisson, mais reste par là. Hop. Toi, t'avais que 2 en dégâts. Comment t'as fait pour avoir que 2 en dégâts avec cette lignée-là? C'est curieux, ça. Vous avez des curieux? C'est curieux. Hop. Ok. Toi. Toi, tu peux prendre ça. Ouais. Bah l'arbre, hein. Ah, y a plus grand chose, hein. On a besoin d'une bonne petite pluie. On va refaire un bébé, mais d'abord il faut éloigner cela, donc du coup bah vous pouvez pas faire grand chose autour de vous. Mais faut clairement éloigner les malades. C'est dommage qu'on n'a pas réussi à garder la lignée de tête de chat. Parce que ça nous soignait quand même bien tout le monde. Ça aurait été top. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah oui, vous êtes des pêcheurs. On ne sait jamais s'il y a des poissons. Hop. Elle commence à vieillir par contre. Hein. Pas tous, ça va. Elle, va falloir qu'elle se reproduise. Elle peut pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Hop. Avec notre meilleur mâle, on va voir lequel c'est. Ok, donc ces deux petits-là, bah ils sont malades, hein. Heureusement que nous, on ne zinque pas nos malades. Ça fait un bail que je serais mourue. Ok, et toi, oui, donc toi t'es malade. On n'en avait pas un par là? Ah, il est mort? Ah oui, d'accord, ça diminue, hein, ça vieillit, hein. Ah, on est 9. Ça vieillit, ça vieillit. Je peux pas vous faire faire grand chose, surtout s'il n'y a pas de poiscaille. Je ne vais pas vous enfoncer dans l'eau, vous allez mourir. Les deux malades, si vous pouviez arrêter de nous saouler. Ouais, mais toi là, à la rigueur, tu peux ramasser le buisson au fur et à mesure. Quand on aura besoin de toi, tu mangeras ça. Toi, va-t'en te faire manger, et sinon tu vas explorer, hein, vu qu'on a moins d'explorateurs. Du coup, ça y est, t'es assez grande pour te reproduire. D'accord, aussi. 5 et 3. 5 et 3 et 1. T'as quoi en plus? 1, 1. T'as 3 pour la chaleur. C'est bon ça. Compte à 0 pour... ok. Allez, t'as 3 pour la chaleur, ça me paraît bien.
Alors attends, attends, on va vérifier d'autres choses. Alors, KE, EH, HK. Ok, donc soit on a le K en commun, soit on a le E. Tu as la griffe, tu as le cracking. Toi, tu dois rien avoir. Tu me mets la griffe. Parce que c'est une façon de récolter les buissons. Hein. Être très fort en dégâts, on massacre en fait. On coupe les buissons et récupère toute la bouffe. Ce qui est très bien aussi. Hein. Et on va garder cracking parce que ça, c'est vraiment important. Voilà. C'est parti. Super, merci. Et bah voilà. Hein. Toi, ah, t'es bientôt morte. Cherche-nous un poisson, vite, un poisson. T'as pas le temps, t'as pas le temps. Tout à fait, ça va mieux. Et toi aussi, tu peux nous chercher du poisson? Oh non, cela il cogne, fais gaffe. Tu cognes beaucoup, toi? 5. On a vu mieux. Hop. Ah bah, un peu de viande. Impeccable. Qui nous reste d'autre? La petite malade, elle a déjà joué. D'accord. Je sais pas si le lapin va bouger. Oh, mais c'est un petit lapin, ça. C'est un mignon petit lapin. Là. Oh là là. Eh ben, on est efficace sur les lapins. Ok. Toi, fais gaffe à ces poissons-là, parce qu'ils font mal. Ils sont violents. Ok. Alors, ce petit... Non ! Pourquoi tant de haine ? Ah, ça saoule. 8 en dégâts alors qu'il avait 2 en cracking. Il est énorme. Oh, mais il est énorme, ce mal. Oh, mais l'injustice. Mais arrêtez de le foutre malade. Ils ont un gène en commun, je peux rien y faire, je peux rien y changer. Ma ligne, elle est trop consanguine. Il faut qu'on arrive à récupérer un nouvel individu, un individu sauvage. Je crois que je t'ai oublié, toi. Il faut qu'on récupère un individu sauvage qui nous remettrait du 109 au niveau des chiffres. Au niveau des... Ouais, bah ouais, au niveau des chiffres. Hein. Oh là là, mais là, le couple d'enfer qu'on avait, les deux petits malades, là. Après, on peut essayer de les reproduire. Et prier très fort. Hein, bon, c'est jamais que... Ah ouais, non, on peut pas les reproduire. On peut pas les reproduire. Non, c'est sûr que le petit sera malade. Hein. On peut prier autant qu'on veut, le dieu qu'on veut, ou la déesse qu'on veut. C'est sûr, il sera malade. C'est sûr. Voilà, bah vous allez recommencer. Même si vous êtes un petit peu pourri, hein, mais... Enfin, un peu pourri... Vous avez un gène en commun, quoi. Mais malheureusement, on peut point y faire grand-chose. Voilà. Bah toi, j'avais pas fait gaffe, tu te reproduis pas. C'est même... Voilà, merci, ça en fait un de moins. Et bah vous allez explorer, hein. Vous allez me servir d'explorateur. Voilà. Après, il y a la tactique de déménager, parce que cette île-là, on en a... Oh, bonjour. 4 en combat et t'as un cracking. On le récupère. On le récupère et tu me l'envoies. Attends que je regarde. Tu me l'envoies pour te reproduire. Alors attends. C'est joli en plus, Sectario. FK. On a le K en commun toujours. Hein. Madame. Non, ils ont plus rien en commun. Tenez, rejoignez-vous là. Oh, c'est bon ça. Ouais, c'est bon. J'allais dire, on peut abandonner cette île-là, mais c'est bon, on a trouvé un nouveau mâle. On va donc tester avec lui. Hop. Et, hop. À quoi que... de toute façon, j'allais dire, je voulais garder le physique écureuil. Ça, j'aimerais beaucoup garder le physique écureuil. Mais... ah oui, de la vitesse, c'est pas mal, ça. Mais, j'ai pas... je n'ai pas de débloquer le la queue touffue, je ne l'ai pas. Donc soit, vas-y, balade-toi. Toi du coup, balade-toi aussi. J'abandonne de me servir de toi. Ton mal arrive. Et ici, bah vous continuez à... Ah bah c'était bientôt mort.
vous continuez à récolter de la bouffe. Ouais, non, mais même pour vous, les trocos sommets, vous êtes pas les plus... vous tapez pas les plus forts. Pour le coup. Pour le coup. Alors, bah, je t'amène, monsieur. Attends, oh, bah, de toute façon, vous n'allez pas vous reproduire sous la pluie. Hop. Voilà, tu te mets là et vous attendez le tour suivant. On ne se reproduit pas sous la pluie. Mais ils sont tous vieux, nos machins. J'avais pas pensé à ça. Tiens, t'en rappelleras du monde, toi. Et on continue à emmagasiner de la viande. En plus de nos noix. La 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 la. Par contre, il faut qu'il arrête de... Ah ouais, on a plus que 7 individus. On est en train de baisser, c'est pas bon. 222 jours. Il pleut toujours. Mais non! Mais non! Oh là là! Pique le buisson. Je pense que vous pouvez vous reproduire jusque t'attends pour accoucher. Je pense que comme ça, ça va. Mais accoucher sous la pluie, non. Non, 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 non. On ne prend pas ce risque. Appel. Ah, bonjour. Vous avez que 3 en dégâts. Vous avez... Bah, de toute façon, hein, on commence à manquer d'individus, donc on la prend. Et tu te décales vite parce que lui, il est malade. Tu rejoins notre couple reproducteur. Toi, madame. Ouais, non, tu es un peu brusque là sur la taupe. Hein. Ok. Ok, ok, ok. Allez. On arrête de pleuvoir. Alors, toi, tu vas dans le nid. Et toi, tu tapes. Voilà. Toi. Hop. Madame, rejoignez-les. S'il vous plaît, là-haut. Vous aiderez comme vous pouvez. Rappelle un coup, t'as l'air bon. Fini. Lapin. Lapin. Fougira, tu vas tirer Ghost. Vous allez entendre un ouh, comme si souvent. Ah non, elle est partie. Ok. Madame. Oh, bah, je t'ai complètement oublié, toi. T'as rien foutu. Non, tu ne déménages pas. Du tout, du tout, du tout. Allez. Lui comme ça, lui. Mais une petite claque. Attends, attends. Oh, il saigne pas. Il s'est pris du dégât, mais il saigne pas. Alors, 8 et 2, et il n'a pas récupéré Cracking. Ah, j'aurais dû le mettre dans les gènes. J'aurais dû le mettre dans les gènes, le Cracking. Ah, crotte de mic. Bon, il tape, par contre. On a un petit cogneur. Madame, hop, hop. Vous les rejoignez. En fait, vous mettrez de l'autre côté du mal, en fait. Ça me paraît mieux. Alors, attends. Donc, FK, EF. Donc, il y a quand même le F en commun, là. Hein. Hop, le cracking. Rien à voir. On recommence. Le cracking. Voilà, merci sur la petite flèche. Et le... cognage. Je voulais que ces petites cornes de cerf. Bah voilà, vous restez à côté du petit. Vous servez à rien, je suis désolée. On manque pas de nourriture de toute façon. Donc en soi, ce n'est pas grave. Ici, tu as ta viande à récupérer. Et le buisson. Hein madame, il n'y a rien à récupérer en bouffe par chez vous. Ah, celui-là. Il va y avoir un buisson. Toi la même. Annie, on s'en fout un peu, mais bon. Ok, on continue. Notre petit croc. Qui c'est qui a tué un truc là? C'est la hyène qui nous fait à manger. Bon bah vous tentez un bébé. Pitié, pas de bébé malade. S'il vous plaît, pas de bébé malade. Hop, tu peux te décaler là, toi, si t'as des trucs à faire. Non, vous restez de chaque côté du bébé parce qu'on le garde. Jusque-là, on a perdu un peu notre lignée d'écureuils. Ça m'embête une chouille.
J'ai toujours tendance à vouloir faire quand même de l'apparence en plus du combat là. Le lapin là, il a pas envie. Hein. Il a pas envie de se faire manger, il est pas gentil. Hop, on t'évite de t'empoisonner, t'es mignonne. Attends. Ben voilà, il est juste là. Oh, et t'avais une taupe en dessous. Hop. Ah, tu es pas capable. Ah ouais, t'as que 2 en dégâts, toi. Tu peux pas péter les buissons. Et du coup, je viens de t'empoisonner. Bah, ça débloquera un gène, c'est pas grave. Ok. Pas malade. Il est pas malade. Ah, on a récupéré le Kraken. 5 en dégâts, 1 en Kraken. C'est pas mal. Il ressemble pas du tout à un écureuil. Et ça, c'est toujours dommage. Mais il est pas malade. On a récupéré 2 petits garçons là. Ok, toi tu bouges. Maman, tu reviens là. Oh, bonjour. Oh, oh, t'es malade. Va-t'en. Oh, dommage. Avec ses oreilles de chauve-souris là, c'était trop, trop kiki. Ok, toi tu surveilles ton petit. Bah ouais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Tu attends, tu surveilles ton petit. Bon, sur la bouffe, on est top. Hein. On est top, top. Il va se barrer l'infini, ce lapin. Ça y est. Ok. Un bouisson à détruire. Ah, il y en a pas. Ah. Ah. Ah, là-bas. Ça, t'avais des trucs à ramasser dans l'eau. Oh, bah, il y a du poisson. Ah ouf, t'es bientôt morte. Grâce à ta crève. Hop, lapin. Ça va, t'arrives quand même à tuer un lapin. Ça pouvait être pire. Alors, un petit bien cracking. 7 en combat, 2 en cracking, et c'est une femelle. Et elle a la queue d'écureuil. Yes! Oh yes, 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 yes. Petite écureuil rouge, bien sympathique. Oh, elle est bien, elle. Allez, bien. Impeccable. Brave petite. Donc si on te reproduit avec ton frère qui tape à 8, vous allez nous faire des bébés, sauf si les gènes ne le permettent pas. EF. EF. Non, vous n'allez pas vous reproduire ensemble. Du tout, du tout. C'est fort dommage. C'est fort dommage, mais c'est la vie. Reste à côté des adultes, t'éloignes pas trop. Bah, vous gardez vos petits. À la rigueur, tu peux aller voilà, manger le buisson. Mais les filles, vous gardez vos petits. Vous prenez pas de risques. Hop. Voilà. Toi, bah, t'as plus grand chose. Hein. Oh merde. Désolée. Oups. Ah oui. On n'a plus personne qui se balade, en fait. Ah merde. Ah merde, il n'y a plus que notre groupe et notre femelle sur l'arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Ok, il y en a un là, j'ai oublié. Enfin, j'ai oublié depuis un moment, toi. C'est ça, de les éloigner. Après, on ne sait plus. Oh, il est bientôt mort. Mais... Pourquoi tu saignes? Ah, t'as une sangsue. Merde. On va envoyer le... Non. Oula, toi, faut que tu te reproduises. Oula. Bonjour. 2. T'as qu'un en combat, par contre. Mais on peut te récupérer, à mon humble avis. Attends, vas-y. Viens prendre... Merde. Attendez. Concentration. Il faut que lui se reproduise parce qu'il commence à être bien vieux. Vas-y. Ah mais non, mais là, tu peux pas la récupérer. Si toi, tu bouges du nid... Bah tant pis, tu te remettras dans le nid après. Bonjour. Et t'as une bonne tête. T'as trop une bonne tête. Alors par contre, il va falloir méchamment te faire monter ton dégât. Mais
des E, EF. On a le E en commun. Ça se tente, hein. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. On n'a pas tellement le choix du tout, hein, j'aurais tendance à dire. Bah ok, hein. Pas malade, pas malade. Ok, il pleut, on va se calmer sur les repros. Il est rigolo, lui, il est tout jaune. Oh, oh, nul. Oh bah non, vous en aviez fait un de 5, là, pourquoi 2? Par contre, il a 3 en cracking. Donc toi, tu vas pas te reproduire, tu vas aller aider... Elle, de toute façon, elle va mourir. Tu iras... bah, tu vas être notre récolteur de noix. Hein? Voilà. Madame, on va vous mettre des gènes. Pour quand il arrêtera de pleuvoir. Je crois qu'on va pas se prendre la tête. Hein. Hop. On fait des écureuils de guerre. Point. Ok. Toi, t'as pas besoin de gènes. Tu vas pas te reproduire. Toi, tu peux potentiellement te reproduire. T'es comment, toi? EK. Il y a toujours le E, hein. On le fait au cas où parce que tu peux potentiellement te reproduire. Toi, ma cocotte, tu vas clairement te reproduire. Mais clairement. Mais tellement. Je suis désolée pour toi. Ok. Bah vous restez en groupe, hein, de toute façon. Et on a perdu, je crois, tous les autres. D'accord. On a de la bouffe. On a de la bouffe. On est bien là-dessus. Toi, tu vas aller donc sur l'arbre à noix. Toi, si tu te reproduis, ça va être en guerre aussi. On va mettre toujours, voilà, on va rester là-dessus. Tu es un EF. Tu ne peux donc pas te reproduire avec ta sœur, mais tu peux te reproduire avec elle, qui est un DE. Pour nous augmenter le dégât. Ça peut être pas mal. Mais pas maintenant, parce qu'il pleut. En fait, non, mets-toi à côté de lui. Vous faites l'accouplement. Et tu accouches quand il ne pleut plus. On va plutôt faire ça. On va plutôt faire ça. Ok, on a perdu gros papa. Donc là, on a 2 accouchements à faire, mais il pleut toujours. Donc, on va attendre. Hop. Le mâle errant, mais il pense même pas, parce que je te défonce, quoi, si tu... Oh, si tu accoupes une de mes femelles sans mon autorisation, mais ça va pas le faire. Hop. Quand même récupérer un peu de bouffe et de trucs autour. Elle n'est plus... Ok, on a vraiment plus que vous. Hein. 3, 6, 7... Ouais. On va tanker la bouffe et la pluie. Voilà, ça y est. Alors, toi, là... madame, toi, t'éloignes pas trop pour le moment, t'es encore jeune. Tu me répares le nid. Voilà, mettez-vous côte à côte. Toi, 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 toi. Hop, bouffe. Ok, madame. Y a rien à creuser? Bah, la rigueur, le buisson après. Ok. Ok, 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 ok. Bah bébé, hein. Elle est pas malade, pas malade, pas malade. Pas malade. Pas malade. Oh, elle est trop chou, ce petit écureuil. Alors, 4 en dégâts, 2 pour creuser, 2 pour craquer. C'est une petite femelle. 4 en dégâts, franchement, avec une femelle qui avait 1, on s'en sort bien. Et une petite femelle, 8 en dégâts. Ah, par contre, on a entendu une hyène. Oh, il y a une bébé hyène à récupérer. Alors, il faut d'abord tuer la maman. Mais toi, t'as 1 en dégâts. Voilà. Toi, t'es que bonne à reproduire. Bah, recule. Viens-toi. Ouais, il va falloir faire le tour. Toi aussi, tu peux y aller. Ouais, comme ça, peut-être que tu peux t'y mettre. Voilà. Tour suivant, vous me tuez la hyène. Vous ne touchez pas le petit. On le récupère, le poupounier. Tu peux aller les aider. Oh, quoi qu'un moment. Enfin, ça va aller vite, mais... Voilà. Les mamans, vous restez sur les petits. Toi, je pense que tu peux commencer. Tu peux descendre au niveau du cracking. Tu devrais plus te faire manger à cet âge-là. Et de toute façon, il y a tes frères en bas. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ce fut carrément bref.
Ce fut totalement bref. Il faut soigner elle. Non, soigner. Super, merci. Et Malheran, casse-toi. Waouh, la quantité de noix récoltée. Pas toi. Pas toi, forcément. La vache et la hyène, t'as mis tout ça. Elle s'est bien mangée, la hyène. Qu'est-ce qu'on peut te faire faire, toi? Peut-être de l'art pro. Hein. Ok. Torsumer. Alors. Du coup, on a perdu notre mâle principal. 5, 1, 1. Oh, toi, tu fais que cracking. Ah, c'est une femelle. Elle s'est fait engrosser. C'est pas grave, tu accouches pas. Tu peux aller aider sur le cracking. Parce que l'arbre, là, il a à nouveau plein de noix. Ou toi, en fait. Quoique toi, il faudrait que tu te reproduises peut-être avant de mourir. Ça peut être pas mal, une petite repro avant de mourir. Alors, on a dit pas avec ton frère, parce que vous avez les mêmes gènes. EF. Eh, mais on n'a pas d'autre mâle. Bonjour. Oh, un Malheran. Un Malheran albinos. Oh, des écureuils de combat albinos. Ouais, mais les Malhérans, ça met tellement des gènes pourris. Bah, écoute, laissons faire le chaos. Voilà, pour une fois. Allez, pour une fois, exceptionnellement. Par contre, on manque de mâles. Donc, on a EK là. EF. EF, ok. Donc, toi, t'as quand même récupéré le K. Donc, si besoin, on a ce mâle-là qui a un petit peu tout, mais en pas en très fort. Parce que ce mâle-là, il est génial. Mais... Oh, là, qu'est-ce qui est chou, cet écureuil. Il peut pas se reproduire avec sa lignée. Là, il y a aussi le E en commun. Il y a toujours le E en commun, quoi. Le E, il nous les brise. Bah, écoutez, refaites un bébé. Je veux bien les choses comme ça, moi. E, H, E, F. Et là aussi. Ah. Si, elle va pouvoir. Ok, on refait une tournée de bébé. Voilà, voilà, voilà. Bébé! Alors, pas malade, pas malade, cool, pas malade, cool. 8 et 2, t'es pas terrible. Hein. Alors, t'es à fond dans le combat. Toi, tu vas nous faire un super petit éclaireur de guerre qui va pouvoir tout nous ravager sur la map, mais c'est tout. Toi, t'es trop mignon. Mais regardez-moi cette tête. Oh, mais qu'est-ce que t'es choupi. Et le nouveau bébé. 7 en combat et 2 en cracking, 2 en pêche. Il n'y a pas grand-chose d'autre avec, mais c'est pas mal. Tout de même, le Malheran maintenant par contre tu vas te détendre. Toi il faut que tu accouches de ton Malheran, mais enfin une ligne de nid, mais tu attends parce que il pleut. Non, va-t'en. Oh pardon, je vais juste qu'il s'en aille. Et ben il est bien parti. Oh ben voilà un albinos. Et ben il est pas mal, il a plein de gènes. Pourquoi je me suis enquiquinée avec un Malheran? Il y avait un albinos là à récupérer. Un mâle en plus. Dis-moi que tu as des bons gènes. Mais il m'emmerde ce E. Oh là là. Est-ce que t'as dit un gros mot? Oui, oui, il y a un gros mot. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On va essayer de récupérer la couleur avec lui. La couleur, et il porte potentiellement voler, et vous imaginez, des écureuils volants de guerre. Mais là, ça va être très, 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 très difficile de récupérer les ailes. Déjà, il faut des grands corps. Et je sais pas, je pense pas qu'ils aient des grands corps. Je pense qu'ils ont des corps moyens. Corps moyens. Donc, il faut les mettre en grand corps. Ils sont tous encore moyens, déjà. Donc, voilà, quoi. Elle a un corps piquant, oui, bah oui, oui, corps piquant. Tu peux pas... Ah oui, elle est sans odeur, ok, pardon. Ouais, c'est pas fait, hein. Je pense pas qu'on arrivera à récupérer les ailes avec lui. Mais, à imaginer, c'est assez rigolo. Bon, vous, vous récupérez la bouffe, et nous, on glande. Voilà.
Faudra reproduire petite hyène aussi à un moment donné. Voici la chouette. Du coup, toi, est-ce que je peux te mettre grand corps? Je crois qu'on l'a, hein. On n'a que corps moyen, en fait. Ah bah, c'est réglé. On a que corps moyen. On a corps à piquant. Et on a corps moyen. On n'a pas grand corps. Du coup, c'est réglé. On peut pas demander à avoir des grands corps. Donc, voilà. Voilà. Et il n'y a pas l'immunité. Ah, attendez. Il n'y a pas l'immunité à eux. Motif forme A, motif forme B, non, rien à voir. Pas de mélanisme, pas d'albinisme. Si, de l'albinisme. Bon, bah, écoute, on te reproduira au pif. Peut-être que si on met pas de gène en avant, il y a un côté aléatoire qui fait qu'on arrivera à voir le grand corps. Mais j'en doute. Hein. J'en doute fort. Écoutez, vous ferez un bébé pour le fun. Hein. Et vous, bah, on attend désespérément qu'il ne pleuve plus. On peut toujours ramasser les petites herbes, là, en attendant. Mais vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus. Mais qu'est-ce qui pleut sur cette île, quoi? Oh, t'as perdu ta maman! Oh. Donc, on a dit, vous, faites un bébé pour voir. Qu'on gardera pas. Mais qui tue glande? Oui, d'accord. Algène. Un bébé pour le... Toi aussi, essaie de reproduire un mâle. Ben ouais, je sais pas, je voyais pas les poils. Oui, d'accord, je m'égourais. Non, bah, vous ferez pas de bébé ensemble pour le faire. En fait, depuis tout à l'heure, vous devez vous dire, mais non, ils peuvent pas se reproduire, ce sont des mâles. Bon, je vous la fais souvent. Le coup d'essayer de reproduire deux mâles ensemble, je vous le fais assez souvent. Est-elle assez vieille pour se reproduire, la hyène? Non, pas encore. Pas encore. Toi, t'es aussi trop jeune pour te reproduire. Oh, les deux, là, ensemble, ça peut nous faire des petits trop mignons. DE, DF. Donc là, vous avez le D en commun. Ok, et eh ben, on va le tenter, certainement. Parce que... va bien falloir. EF... TF, là c'est le F en commun. Bon, il y a toujours du en commun, hein. Oh bah oui, toi tu te reproduiras aussi, ma cocotte. Crois-moi bien. Hop. Bon, bah on va attendre l'arrivée de ce petit, voir à quoi il ressemble. Et il est pas albinos. Et il doit être tout pourri. D'une force. Voilà. Allez. Toi, on va te virer après. Ah non, Alpha. T'as pris quoi, toi? T'as pris quoi comme dommage? Je ne sais plus. Je voulais surtout enlever ça. Bah, vous... Faut le reproduire, l'albinos, quand même. Attends, remonte. Enfin, monte, quoi. Mais viens, Maurice. Elle peut. Elle est en âge, ou quasi. Pas encore. Si. Ok, faut que tu fasses un nid par contre. Ça va. 315, on peut faire des nids partout. Éloigne-toi. Voilà, super, impeccable. Ça c'est fait. Comme quoi, des fois, là, elles ont une utilité, nos petites chouettes des enfers. Bon, toi récupère ça parce que le nid il est pourri, faut le refaire. Mais désolé pour l'ambulance. Et surtout pour la pauvre personne qui en a besoin. Mais ok, allez, on fait ce bébé là et ça sera bon. L'épisode commence à être long. Faut pas qu'on oublie notre hyène aussi. Non, il pleut. Oh mais c'est casse-bonbon, la pluie, bordel. Bon sang. Oh là là, mercredi. Ah tiens, c'est notre hyène qui nous a tué un truc. Elle nous récolte des lapins, c'est bien. Et pelle. C'est quoi ça? Ah bah dégage. Oh la vache, on fait tellement mal. On fait
tellement mal. Ah oui, toi aussi. Tu t'es encore fait avoir par un mal errant. Mais tu blagues? Mais tu blagues totalement ou pas? Eh mais faut arrêter avec les mal errants. Hein. Tout à l'heure, on a tenté notre chance avec l'albinos une fois pour dire. Bon, voilà, on repasse un tour. Ouais, on va aller vite, hein, tant qu'il pleut. Ok, il pleut plus. Et hop. Allez, on passe un tour. On a plein de bouffe, on a tout ce qu'il faut. Hop. Lui, il a l'air pourri. Ouais, il a 4, mais... Allez, hop. Vous vous éloignez. Mais... Oh, purée, j'en ai marre. Ça va, le one shot, maintenant, les malérans, quoi. Sérieusement, tu saoules, hein? Mais tu fais plus de bébés, hein? On va pas nourrir toutes les chouettes de la ville, hein? Ça va bien. Pour peu qu'elle le mange pas, celui-là. Ah non, hein, c'est bon maintenant. Oh, et là. Oui, choupi! Alors, 4 en combat, 2 en machin, 2 machin. Bon, 4, c'est pas extraordinaire par rapport au reste de notre lignée. Mais c'est pas si pire. Fais-moi voir tes petits gènes. DE, ok. Et il est pas albinos. Bon. On a tenté, hein. On a tenté. Et il n'est pas grand corps, au fait. Parce qu'on n'a pas mis de gène au père. Exprès. Corps fin. D'accord. Mais il est grand, moyen ou petit Il est corps fin. Ah, d'accord. D'accord. Ah, je pense que notre affaire est... Ah, non. Oh! Eh, Maurice, là. 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 Ici, là. Bon, eh ben, on va arrêter là cet épisode. Il faudra que je me rappelle que c'est d'un mal errant, mais je ne vais pas m'en rappeler hein, dans une semaine que c'était d'un mal errant. Eh ben, on le donnera à manger. On arrête là. Je vous fais des boujoux. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker comme d'habitude. Bye bye tout le monde. Time flies, close your eyes. Imagine you could see. Everybody else's dream, what a comfort it would be.